Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Akai et on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur The Legend of Zelda A Link to the Past. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à l'est, vers là, l'endroit où se trouve, comment dire, la source de la cascade. Il y a une chose à faire là-bas. Donc, faut remonter vers le nord, sans sortir comme une brelle. Donc là, qu'est-ce qu'il y a ici? Je sais plus ce que c'est ici. Honnêtement, je vais vous dire, je me rappelle plus trop de tout ce qu'il y a dans le jeu exactement. Je me rappelle par contre que la montagne m'a tellement pris la tête au niveau des grottes et des passages. Des fois, il faut passer au monde de la lumière, passer au monde des ténèbres, miroir, switcher d'une grotte à l'autre. Oh, c'était horrible. Ici, j'ai une chose intéressante à faire. Vous voyez le cerveau de pierre ici? Je pense quelque chose dedans. Est-ce toi qui as trouvé la paix de CS? Je donne ça si tu t'en vas. Troisième médaillon, le médaillon des secousses. Les pouvoirs magiques font trembler la terre et abattre les ennemis alentour. Voilà. C'est tout ce qui m'intéressait ici. Normalement, je crois qu'il n'y a plus rien. Mais non, il n'y a plus rien. Donc c'est fermé. Il y a une cascade exprès pour bloquer. Pour vous dire c'est bon, c'est la fin. Et moi, je vais. Maintenant, je crois que je vais aller. Surtout à la montagne, comme juste pour voir. Je vais juste vérifier une chose. Vas-y, je crois que j'ai trouvé comment faire. Rassurez-vous, je fais pas les mêmes conneries. J'essaie juste quelques petites choses et puis bah si ça marche tant mieux, ça marche pas, bon ben tant pis. Hein. On m'a juste vu récupérer le médaillon des secousses. Ce qui est déjà un élément important dans le jeu. Par contre, les médaillons de l'éther et des secousses, il n'y a rien qui vous dit où ils se cachent. En même plus, s'il y a quelque chose qui vous le dit, c'est vraiment chaud. Faut vraiment deviner qu'il faut balancer un objet. Bon, le jeu est quand même assez sympathique parce qu'il y a la pancarte qui nous dit ne jette pas l'objet dans ma... dans mon sac de pierre, mais bon, quand même. C'est juste une pancarte qui nous le dit. Il n'y a pas de personnage de PNJ qui nous dit tu devrais aller à tel endroit pour faire ceci. Donc moi, où est-ce que se trouve déjà la tombe en question? Je sais pas, je crois que c'est une qui est toute seule à la droite. Voilà, c'est celle qui est bloquée par les deux rochers noirs. Quand on la charge, il y a une salle secrète ici. Ta cape magique, tu deviens invisible que tu la portes, mais ça va être ton compteur magique. Ouais. Peut-être qu'elle n'a pas beaucoup d'intérêt, mais bon. J'ai juste pris pour ben voilà pour dire qu'on a tout pris. Ah tiens, oui, est-ce qu'il n'y a pas le moyen de récupérer le quart de cœur qui était là-haut? Faut que je vérifie ça. On peut pas récupérer le quart de cœur qui est là-haut. Donc là c'est une salle à mob. Honnêtement la vie, c'est pas grave, j'ai des fées en rab. Oui, ça, regardez ça. Hop, je vais invisible et je vais passer. J'ai trois pharaons de cœur, wouhou. Et si je vais pas dans le monde de la lumière comme ça, ça fait quoi? Je réapparais ici. Mais qu'est-ce que c'est cette grotte là par contre? Hey! Oh! C'est pas la grotte où on va, on se retrouve au début?
Si, ça ramène à la grotte là. Mais c'était inaccessible parce que on n'avait pas pris le chemin du bon côté, on pouvait pas se téléporter. Non, là y'a rien. Je me rappelle de ça, ça ramène en bas. Alors pour le téléporteur, on va aller au niveau de la partie droite cette fois-ci. Cette fois-ci, je fais une bonne une exploration complète de la partie droite. Parce que je suis un petit peu perdu, embrouillé, moi, pendant la première exploration ou l'épisode précédent. Là, c'est un coup de feu. Oh putain, elle va faire mettre. Eh là, c'est fait. Viens là. Ah, il est là, mon flèche. Franchement, j'ai des problèmes, moi. Voilà, ici, en tout cas. Le raccourci, on va le prendre. Et regardez ce truc là. Vous savez à quoi il sert, mesdames et messieurs, à ça. À bourrer ici. Frapper cette tête de tortue. Je le fais parce que ça débloque un passage. Mais je vais pas y aller tout de suite. Parce que là-bas, c'est simplement le 7ème donjon. Je vais pas aller au niveau du donjon tout de suite, hein. Non, non, faut pas rêver. On va les faire dans l'ordre. Oh, ça par contre, ça... Ah, je sais plus ce qu'il y a par ici. Là par contre je rappelle ça c'est des petites épreuves à la con. L'argent, mais bon, je suis toujours plein de thunes. Bon. Et comment je fais pour aller en face? Oh! Un point, un mur, un sol invisible, d'accord, c'est génial. Vous cherchez la puputerie? De fées, c'est pas des fées qu'on a besoin, c'est de toute vie. On va s'en chercher une petite quand même, au cas où. Les mobs qui vous défoncent comme ça alors qu'on est en train de d'appuyer sur le bouton, c'est génial. Je pense que j'ai une idée pour savoir comment ce qu'on va faire pour Oh putain. C'est comme ça mais bon, c'est Vislard. Ah mais c'est genre ça. J'ai bien fait de... C'est salaud, ça nous aurait obligé à aller rechercher des bombes. J'adore. Oh putain. Oh j'ai plus de bombes.
Oh, ce jeu de troll! Ce jeu est un troll génial! Enfin, on est donc arraché des bombes? Je sais pas. Pas un connard qui vaut des bombes par pas très loin. Mais il va te faire foutre le sphinx de merde là. On va faire ça à mur en magique, ça va être très simple, ça va être... Oh, je vois une chose, je vais tenter un truc. Faut que j'achète des bombes par contre. Moi qui pour rajouter, je vais bien m'en donner. On va se téléporter. Ah, niveau 9, voilà, le 9 a été ouvert. Vous voyez? Coucou Rico. Alors, où est-ce qu'on a un magasin d'équipement? Non, lui c'est chez le malade. Ah, c'est les cocottes. Ah, je rappelle qu'il y a un truc à faire. Poudre magique. Ah, faut qu'il se calme, faut le calmer. Arrête de bouger en foire, s'il te plaît. Lui, c'est pas une coco ordinaire. Putain, mais j'arrive pas à la voir, ce con. Super chiant de viser cette merde. Ouais, va te voir. Tu vas casser les pieds, toi. Y'a pas un marchand de bombes là? Là. Un tableau de Mario. Faut juste un marchand, il faut absolument un marchand. Y'a pas un petit truc qui peut me dire un marchand ici? Non, c'est celui-là qui se ressemblait, qui était, qu'on peut retransformer. Pas de marchand, c'est un jeu merde, c'est une blague. Ah, là par contre ça m'intéresse un petit peu. Est-ce que j'ai appris ce qui est ici? Je pense que oui, bon, on va retenter quand même au cas où pour voir. Ouais, Oh, il y a un truc à bombe ici. Il y a un truc à bombe, mais j'ai pas de bombe, bien sûr. C'est ce qui me manque, les bombes.
trucs ici, il y a la montagne en plus à refaire pour retrouver les bombes. Petite vieille, il n'y a rien ici. Pas une boutique de ce bled de merde. C'est incroyable, c'est un village, y a pas une boutique. C'est pas possible ça. Je commence à péter un câble. Peut-être qu'on s'entend du village, c'est un truc qui fait des bombes. Là c'est chez qui? C'est chez... Attendez, il n'y a pas une boutique. Et au sud du village, il n'y a pas une boutique? Et la bibliothèque, si je me rappelle, c'est bien une boutique normalement. Pas non plus, j'ai pas un petit peu de magie, non. Le jeu il me donne rien là, je suis vraiment à la rue. C'est maintenant que j'ai plus besoin que le jeu me dit. Que le jeu me dit je t'emmerde. C'est la bibliothèque, ça je me rappelle. Le truc c'est quoi là? C'est le terrain de jeu. C'est pas une boutique ça? Ouais, c'est de la merde. C'est la crise. C'est la crise. Oh. Y a pas une boutique, c'est la loose totale. Bon, je sais ce que je vais faire. Ouais, mais y a pas 50 000 solutions, hein. Si on veut des bombes, y'a un guignol qui se vend. Foutez-moi la paix, mon bâtard. Y'a un seul guignol qui vend des bombes. En plus, c'est sa camarade qui nous en largue. Il faut au moins 5 à des bombes. J'essaie de récupérer au moins 5-6 de ces mobs-là. Quatre bombes, génial, j'ai ce qu'il faut. Je voulais aller dans le monde des ténèbres pour en racheter, mais bon, en fait, c'est tout simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à Cocorico avec le mode en mode. Et voilà, hop, au revoir. Par contre, j'ai toujours pas de magie pour dévaster le terrain municipal, c'est tout, hein. Une petite astuce pour ceux qui ont besoin de trucs. Y'a rien, il me donne pas de magie, regardez-moi ça. Du coup, j'ai besoin de magie, du coup, qu'est-ce qu'il me donne? Des cœurs, des rubis, mais. Est-ce que vous avez de la magie? Bien sûr que non, ça aurait été trop. Ça aurait été assez drôle sinon. Hein, n'est-ce pas? C'est juste du troll. Mais le troll a un niveau artistique là. Regardez-moi ça, je peux défoncer le sol. Pas une petite fiole magique, non, non, pas une fiole magique, rien. Bon, de l'élol, non, c'est pas. Thank you.
Oh, miracle! Un peu de magie! Ce jeu me troll. Et le pire, c'est comment je fais pour pas voir ce truc là. Eh voilà, nouveau fragment de cœur. Ça valait le coup de venir ici, hein. J'ai bien fait. Par contre, comment... je comprends même pas comment je fais pour passer à côté de ça, parce que je suis passé venu la première fois. On prend la poudre magique parce que là, il y a la cocotte solitaire. C'est à cette maison là. Quoi, tu vas changer d'être humain? Je peux même parler. C'est trop longtemps que t'inquiètes toujours mes amis. La girouette te regarde toujours quand tu les énerves. Mais cette fois ne convient pas très bien. Je préfère redevenir un poulet, cote-cote. Dommage. Bon. Allez, j'ai assez déconné. Je retourne dans la montagne parce que là... mon ténèbres, me voilà. Parce que je rappelle, j'ai toujours la petite grotte explorée. Celle où j'avais utilisé tous mes bons comme un crétin pour trouver le chemin. Et malheureusement, je n'ai plus. J'avais plus de bombes justement. Des cœurs. Bon, j'ai 5 bombes. Là à droite il se passe rien, vous avez vu? Et en haut il y a quoi? Oh c'est ça la bière à la con, il faut on va en chier. Eh j'espère que j'aurai encore assez de bombes qu'il faut pas faire le coup de. Ah t'en as pas assez. Bon alors là, en haut il y a quoi? Wow. Comment pas que si on va dans le monde de lumière, il y a un truc ici. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Une fontaine à fées. Bon, on va prendre une et puis ben... tout ici, je me retrouve ici. Voilà. Je crois bien que j'ai vu. Je fous le camp ici. La montagne me gonfle. On va se rendre près de l'entrée du prochain niveau. Voilà, au 8. Vous voyez ici là le lac. Une petite grotte à la con ici. Oui, voilà, c'est des hobbies, oui. Va, hobby. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à balancer des rubis dans les temps du bonheur. On va lancer, hein. Qu'il faut en balancer 100 pour venir un truc. Je sais plus combien il en faut. Voilà. Allez. On va en balancer 100. Oh la fée.
Je pensais plus de bombes, plus de flèches, plus de bombes. On va rester un truc, tenez. On va faire 50 rubis. Heureusement, c'est bon, ça monte plus. Plus de bombes toujours. On est à 20 bombes maintenant, comme ça, ce sera moins chiant. On aura moins de pénurie. Mais bon, je veux dire, le fric, j'en ai tellement plus rien à faire maintenant. Le fric ne servira plus beaucoup dans le jeu. Et elle revient et là on va lui demander plus de flèches. Non, je sais plus combien on peut monter. Ouais, je sais que c'est chiant les allers-retours comme ça, mais bon. Et je vais voir ce que je peux monter. J'ai boosté à fond les bombes, vous allez voir. Comme ça, je verrai ce coup, elle peut gentiment nous mener là, notre chère fée. Jusqu'à 30 bombes. Ah, j'ai appuyé trop une fois de trop. Ouais. Encore heureux que je charge en plus. C'est pas possible donc, de faire directement un don de sang. Je me demande jusqu'à combien on peut monter. Hein. Si on peut monter à 89, c'est craqué. Putain, je vais monter encore les bombes. Oh la vache! Ouais, je vais monter ces 40 bombes. Pourquoi? Parce que j'aime bien les chiffres ronds. J'aurai un gros pépin aujourd'hui. Oh non, je veux pas de gros pépin. Partez un dernier petit coup, je vais voir. Juste essayer un truc. Allez, je me fais une dernière fois, promis. Ah si, je pense qu'il... Si, j'ai oublié un détail. Il faudra que je garde 100 rubis. Bon, je garde, c'est bon. Bon, on va s'arrêter là. Regardez d'ailleurs ici cette petite, cette magnifique petite pierre noire qui fait partie des pierres absolument indestructibles. Quand on la prend, il y a quoi? Un téléporteur. Quand les morts se trouvent au monde des ténèbres, ici, devant le niveau 5 palais de glace. Et c'est dans ce palais que l'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Donc j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à faire part de vos remarques, vos commentaires.
Et moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.